La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Un chauffeur de bus qui descend de son véhicule pour gifler un collégien devant ses camarades. C'était jeudi dernier à Arcueil, dans le Val-de-Marne. Anne-Sophie Balbir, l'homme explique son geste par le comportement de l'adolescent. Sur les images, les collégiens sont nombreux à attendre le bus 323 ce jour-là sur l'artère principale. C'est dans une atmosphère d'excitation que la vidéo est tournée. On aperçoit alors le chauffeur du bus descendre de son véhicule et venir gifler l'un des élèves sans le moindre temps d'arrêt. Une scène que le conducteur a justifiée auprès de sa hiérarchie. Il raconte que d'abord le collégien a dangereusement traversé l'avenue juste devant son bus. Le chauffeur a donc dû piler, mettant en danger ses passagers. Agacé, il a fait remarquer aux jeunes son comportement dangereux, mais en échange, il aurait reçu des insultes, ce qui l'a fait sortir de ses gonds. Depuis, une pétition de soutien au conducteur rencontre un énorme succès sur Internet. Objectif, que le chauffeur, qui a reconnu avoir agi sous le coup de l'émotion, ne perde pas son emploi.